you take the lead, don't sweat that. If you wanna eat, I'll set that. Come and move your feet, I'll let that. Anything you need, I'll get that. Let me take the lead, don't sweat that. If you wanna eat, I'll set that. Come and move your feet, I'll let that. Oh, dire que demain je rebosse. Ils ont intérêt à me payer parce que je commence à perdre patience aussi là. Commence à me gonfler. Comment tu peux laisser une personne à qui tu dois 70 balles comme 700 balles, presque 800 balles, comme ça? Genre, ils attendent quoi pour me payer, sérieux? Genre, c'est un délire. Putain, c'est pas comme s'ils me doivent que 50 euros, c'est 750 euros. Franchement, ils abusent, ils sont dans l'abus. Comment tu peux laisser quelqu'un avec un trou pareil dans son budget? Sachant qu'on est quand même presque la fin du mois, je commence à être serré, tu vois. Donc les 700 balles, elles seraient pas de refus. Oh. Franchement, j'étais bien devant ma série et tout, mais j'avais envie de jouer à Fortnite aussi, mais j'avais la flemme de monter. De base, j'avais prévu du Planet Zoo à 13h, mais j'arrivais pas à m'activer aujourd'hui. Beaucoup de mal, là. C'est les gens au drive hier soir, ils m'ont grillé le neurone. Oui, bonjour, je vous écoute. Je veux... pendant 10 minutes, mes frères, tu crois que j'ai que ça à faire que d'attendre? Il y a des voitures derrière toi qui attendent de commander aussi. Le mec, il met 15 minutes à me dire qu'il veut un hamburger, quoi. Non, mais... J'en peux plus. Vraiment, il y en a... Alors, il y en a, il passe une commande de 70 balles. Et après, il me dit, ah non, mais je vais tout changer. Moi, j'ai cru que j'allais l'éclater. J'ai cru que j'allais me vénérer. Excusez-moi, je peux vous déranger et tout changer, s'il vous plaît, j'ai changé d'avis. Bah oui, toute une commande de 70 euros, tu vas tout changer, j'ai que ça à faire, moi. Franchement. Je vais voir si le défi marche ici. Plouf! Ah oui, ça marche. Ah, parfait. Eh non, tu vas pas me voler mes armes, toi. Trou du cul. C'est mon endroit. Coucou Amélie. Prête pour la demi-finale ce soir? Oui, ta. Bah, il est où le mec? Ah bah il va me rendre fou, super. Ah, c'est deux maîtresses de feu. Je suis curieux qui va passer en finale. Bon, je pense quand même Inès Reg et Keyona. Après, je sais pas s'il y a combien il y en a qui passent en finale en vrai. Les vacances.
Après, il y a Nico Capone aussi qui est apprécié. Mais moi, j'aime bien l'humoriste aussi. En vrai, ceux qui restent en demi, je les aime bien tous. C'est compliqué, là. On peut pas faire une finale à tous ensemble. En vrai, ils méritent tous. Ceux qui restent, franchement, ils dansent très bien. Hein. C'est chaud en vrai. Ouais. Oh, il y en a une, elle m'a tué hier au drive. Ouais, bonjour, je voudrais une sauce tartare, s'il vous plaît. Elle s'est crue à la friterie. J'en ai pas tartare. Oh, vous avez quoi alors? Ah, j'en peux plus. En plus, j'aime pas la tartare, c'est dégueulasse. Tadadadadada. Bon, le bunker s'ouvre pas. Pour me faire chier, ça, tiens. On va aller voir si Afrofro, elle a été chopée ou pas. Non. On va aller chercher la copine. Oh, c'est un pompoteau bleu, ça on veut. Bon, je vais aller au ponton, acheter mon sniper. Putain, on est déjà plus que 24. Oh, le coffre légendaire, par contre, il a été fouillé. Hein, ça m'embête de le laisser, mais je sais vraiment pas tirer avec ce truc.
C'est quoi ça dans l'eau? Ah, une voiture. Je suis deg, j'ai dû en acheter deux. Allez! Non mais c'est infâme. Ah, mais il y avait du monde de partout, c'était ma fête ou quoi? Elle s'est fait exploser la gueule.
oreille, ça gratte. Pouh. J'avoue, j'ai fait la ramasse-miettes. Non, mais c'est abusé ce pouvoir du feu de merde là. Je crois que c'est là qui va, dit Fab. J'ai une fois essayé, je crois que c'est là. Quoique, c'est peut-être là. Je sais plus. Ah non, je savais. Je me posais pas la question. J'avais compris. Bonjour, bienvenue à toi. Ouais, donc là, t'as les bottes. Et ici, t'as la meuf.
Ok, c'était là, c'était là. Bonjour, merci pour le follow. Pour jouer, il faut être un minimum présent sur la chaîne, dans le chat et sur les streams avant de pouvoir jouer. Et il faut avoir un minimum 16 ans pour que je mette le micro. Bah merci, c'est gentil. Faudrait que je trouve un autre pompe, hein, parce que ce pompe, je vais prendre ça à la place, il me réjouit pas du tout. Ouais, j'aime bien l'apprendre, la maîtrise de l'air pour me déplacer.
C'est plutôt pas mal. Ouais, ou même quand tu te fais tirer dessus par un fou furieux, pour se barrer, c'est plutôt pas mal si t'es en difficulté. Ouais, la poule, calme-toi. Ou tu vas finir dans la casserole. Hein. Ah, mon petit pompe. Ouais, tellement. Ah mais ce soir, je peux pas dire ce soir parce que ce soir, je fais du poisson, donc ça colle pas. Ah, je crois que le bunker, il s'ouvre pas. Ah, du poisson pané que j'aime bien. Je sais pas trop ce que c'est, si c'est du cabillaud ou autre, mais c'est du poisson pané qui est plutôt pas mal, avec un petit gratin de chou-fleur et tout, ça passe crème. Va aller chercher à Frofro, elle a pas été prise. Ah, le saumon, ouais, j'avoue. Surtout le saumon fumé. D'ailleurs, j'ai demandé à mon père de m'en acheter tellement je suis accro. Mais bon, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, ça coûte une blinde. Manger sainement en général, ça coûte une blinde. Ah, je vais acheter des kits dans le distributeur. Parce qu'il y a un défi, il faut acheter des kits de soins. Allez hop. Acheter des soins à un personnage ou dans un distributeur de soins. Mais ça marche pas. C'est quoi cette arnaque? Ah, il faut qu'il me manque de la vie. Oh, sérieux? Non, mais ils abusent. Bon, on va aller voir la dame du ponton qui vend les snipers violets. J'ai chien qui ronfle derrière moi sur le lit, ça me perturbe. Fait ronfler, chien. Hier soir aussi, je rentre à 22h30 du boulot. Il se couche à côté de moi, il ronfle le bâtard. On dirait c'est lui qui a bossé, tu sais. Non, mais je vous jure, quel ingrat. Moi, j'ai un boxer et un bouvier bernois.
Ouais, sacré Billy, fait gronfler. Après cette game, je vais aller me chercher le goûter que j'ai préparé dans le frigo. Et merde, il y a un médaillon où je dois aller. Je vais encore me faire défoncer la tronche. Je le savais. Clafoutis à la cerise. Ah ouais, non, là c'est un tiramisu sain revisité. Bah tu m'étonnes à 4 h du matin. Bah, je suis en train de goûter là, ça va, ouais, c'est bon. Alors. Aïe aïe aïe, je le sens mal. Avant il y avait personne ici. Maintenant ils viennent tous m'embêter à mon endroit. C'est mon endroit, j'ai marqué mon nom dessus. Il est à moi. Ouais, c'est beau. Bon, ça remplace pas le vrai tiramisu, hein. Mais disons que comme dessert sain que j'ai trouvé sur le net, franchement, c'est pas mal. Ouais, je vais l'appeler Panda Town, cet endroit. Puis il y a ma piscine dehors et tout aussi. Franchement, c'est ma baraque, quoi. Non mais oh, bande de voleurs. Il y a trop de vrais joueurs maintenant ici aussi, ça me casse la couille. La couille. Je
suis fatiguée, ça me casse la couille, qu'elle dit. J'ai voulu te parler d'un truc à ce sujet hier, mais je ne sais plus quoi. À quel sujet, mon rééquilibrage alimentaire? Allez, je vais essayer là. Ah ouais, bah je peux pas t'aider si tu sais plus, hein. Bon, j'en peux rien que t'aies une mémoire de poisson, moi. Joue pas sur les mots. Bon. Est-ce que je vais arriver à spawn sans me faire buter, s'il vous plaît? Ouais, c'est Dory dans Nemo, Scorpio. Il a tendance à oublier. Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. Ah bah l'air, ok ouais c'est bien mais j'aurais préféré genre l'eau ou quoi. Une arme pour débuter quand même. Allez hop, dégage. Là faut pas me vénère, hein. J'en ai marre, là je rigole plus. Hein. Je me fais défoncer depuis tout à l'heure, là c'est bon. Hein. On a merdier. Je m'appelle comment? Bah je sais pas, tu m'as pas dit ton prénom. Après, si tu viens souvent et que je commence à te connaître, je pourrais peut-être te trouver un surnom comme Scorpio, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut se faire. Ok, ça marche. Et t'as quel âge, si c'est pas indiscret? Ah oui, t'es tout jeune encore. C'est du tout jeune, ça. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir à nouveau, 13 ans et demi. Oh. C'était bien. Quand j'avais cet âge-là. Bah disons que comparé à nous, ouais, nous on est des ancêtres quoi, ça c'est sûr. On rajeunit pas, hein, Amélie, comme on dit. Ah bah l'école c'est énervant en général, hein. Mais dis-toi que le boulot c'est pas mieux, hein, crois-moi. Bah ça dépend quel boulot, c'est vrai que bon, voilà. Ouais, je vais regarder l'air pour Rota. Ouais, c'est dur, hein, Amélie, c'est dur. Malheureusement, tous les ans, on vieillit. Hein. Que dire? Quand on est jeune, on a hâte d'avoir la vingtaine, tu vois. Et une fois que t'as passé la vingtaine, ça va trop vite. La trentaine, elle est trop vite là, là. Vétérinaire. Oh, c'est cool ça. Bon choix. Mais c'est blindé de d'années d'études en plus, hein.
Crois-moi que t'as pas fini l'école, hein. Je crois que c'est au moins les études de vétérinaire. Je crois que t'es diplômé, ouais, début trentaine, je crois seulement. T'as le temps encore. Oh! Merde, j'en ai acheté deux. Ah, j'ai déjà pas de thunes, alors j'en achète deux, la con. Non mais t'as fini de ronfler, toi. Non mais il se prend vraiment, il se croit chez lui, hein. Il paye même pas le loyer en plus. Forcément, pour m'emmerder que ça s'ouvre pas encore ce truc. Bah ouais, surtout que je commence à être à court sur ce jeu. Parce que c'est parce que je vais à chaque fois acheter le sniper de la dame au ponton. Et à force, bah, la thune, ça redescend. Il est bon mon tiramisu revisité au fromage blanc et à la banane. Je vous jure que c'est bon. Ouais, avant j'en avais 5000 aussi, mais j'achète trop de snipers. Parce qu'on trouve plus assez de snipers sur ce jeu. Ah ben, le temps que ça arrive, j'imagine même pas dans quel état le dessert il va être. Bonjour l'intoxication alimentaire. Hein. Coucou Draco. Si tu veux venir jouer, je me sens un peu seul. Seul, seul. Je me fais poutrer. Je me dis autant qu'on se fasse poutrer à deux, c'est bien. Normalement, il y a Jifab qui vient à 16h aussi. Non mais viens ici, l'argent déjà que j'en ai pas, si en plus... Ah ok, ça marche. Go buter des gens. Je sais pas où elle est passée encore ma balle. Ah merci quand même. Je vois rien avec ces foutus arbres. Aphrodite, arrête de tirer, la discrétion, Aphrodite. En même temps, Draco, c'est une nerveuse, hein, il lui en faut pas grand-chose, et c'est comme mon père. Le flan qu'il m'a fait hier. En me conduisant au travail. J'en ai marre parce qu'on était dans la file. J'en ai marre de cette sale pute qui fait les horaires. Excusez-moi pour le mot, hein. Bon, bah, sniper, j'ai. Donc, pour une fois, je ne vais pas aller en acheter. Hier, un mec au drive du McDo. Oui, 70 hamburgers, 30 cheese et 20 double cheese, s'il vous plaît. J'ai fait quoi? Je vais faire répéter parce que j'ai cru que j'avais mal compris, tu vois. J'ai dit, mais putain, il va faire manger tout son quartier ou c'est comment? La cuisine en PLS. Ils sont venus me demander dans mon coin drive.
Hey Aurélie, tu nous fais un prank ou c'est vrai? Ils ont cru que je leur faisais un prank. Aïe, aïe, aïe. C'est moi si j'avais de l'argent. Ah oui, c'est énervant ça. C'est énervant, c'est énervant. Tu la tueras dans tes rêves, Draco. C'est pas grave. Ouïouïouï. Allez, ça dégage. Oh, c'était un médaillon. Oh, ce qu'il a pris, lui. Je sais qu'il y a un mec dans le bunker. Ah oh ben non. Ça alors? De la thune! Ah, je suis trop contente. J'ai tué un mec avec un médaillon, en plus il avait une arme légendaire. Petit coup de dessert pour prendre des forces, hein. Tu connais. Ouais, j'avais pas fait attention qu'elle était mythique. Du coup, je peux pas mettre la lunette que je veux dessus. Du coup, je suis triste. Y a un bébou là en haut. Il est là. Il a avancé le bébou. Ah, c'est vrai, je sais pas. Lui, il a l'air aussi nul que ma grand-mère. Ouais, mais du coup, il m'a attiré le médaillon, hein, forcément. Mais c'est de où que ça me tire?
J'ai oublié que j'avais l'air pour me barrer. Bah ouais, il m'a attiré toute la map là. Pff, trou de balle. Pouah, l'eau, ça fait tellement mal en vrai. Ah oui, c'est vrai, faut que je récupère Dracou, moi. Je l'ai oublié. I'm just a grizzly little bear. You should know. You should know. Oh, tout à l'heure, une bonne douche. Premier qui vient me faire chier, qui dit que je mets trop de temps, je le frappe. Selon mon père, oui. Draco qui s'échauffe. 39, mais t'es une malade. Arrête de jouer avec des mecs trop forts. Ou prêtez-les-moi de temps en temps. Je veux bien jouer avec eux aussi. Alors, qu'y a-t-il de merdique dans la boutique? Ouais, ça a l'air d'être nul ça. You should know. Pour pouvoir jouer, il faut être au moins follow à la chaîne et être actif sur les streams, dans le chat. Et puis être présent un minimum sur les lives. Voilà. Moi, je suis à 8, je crois. You should know. I'm just a crazy little bear. J'adore cette chanson. Alors, par contre, ouais, les skins dinosaures pourris là, ils sont moches. Pack conséquente Galaxy. Ouais, pas mal. Oh, hier, on a frôlé la catastrophe au travail, je vous ai pas raconté. J'étais aux frites pendant un petit moment, et d'un coup, je me retourne, je vois un môme qui court, 1 an et demi, je crois, vers les friteuses. Mais on est tous occupés, donc les collègues, ils l'ont pas vu arriver tellement il courait vite. Oh, Corchon, je l'ai rattrapé, imagine, il se brûle et tout à côté des friteuses. Oh, l'angoisse! Moi, je l'aurais attrapé, j'aurais une claque sur le cul. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah là là, la mère est arrivée en courant aussi, elle a pas pu le rattraper à temps. Ah non, moi je suis pas pour les fessées et tout, moi j'éduque pas comme ça. Mais ouais, c'était dangereux là, c'était chaud. Et coucou Scorpio. Ouais, j'ai lancé plus tard aujourd'hui parce que j'étais fatiguée. J'arrivais pas à me réveiller. Je me dis, je vais rester un peu plus longtemps dans mon canapé. Il est bien confort là, le canapé. N'oubliez pas, demain, pas de stream, hein, je travaille. Triste. Et la semaine prochaine, je travaille mardi et dimanche, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je sais que t'es chiant, ma fille. Je sais que là, tu me fais chier. Ah, nos animaux, Hop qu'est-ce qui nous font chier, mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux? On se ferait pas chier. Ça pique le museau, le petit con? Un petit con, ça pique le museau?
Ça gratouille. Écoute, quand ça gratte, faut gratter, moi je dis. Regarde la télé alors qu'elle est éteinte, t'as raison. Au moins, ça te rendra pas trop con, t'as raison. Regarde là, instruis-toi, t'as raison. Tu m'en diras des nouvelles. C'est Billy, l'autre fois, ma mère regardait un film avec des chiens. Et du coup, Billy, il voit les chiens à la télé, il se met à grogner sur la télé, ce con. Ah, j'ai envie de dire, c'est du Billy tout craché, là. C'est quoi le trait rouge que je vois pas très loin? Ce serait pas un pouvoir du feu, ça? You should know. I'm just a grizzly little bear. Ouais, quand on parle de chiens, ils font wouf wouf. Ah, et puis là, il y en a quatre. Oh, je vais être contente d'être dans mon canapé devant Danse avec les Stars ce soir. Je vais faire l'étoile de mer. Je vais plus bouger de la soirée une fois que j'ai cuisiné. Et le premier qui me fait chier, coup de boule. Non, c'est que... Ça me rappelle un sketch des Inconnus, ça. Salut, c'est moi, Monsieur Robespierre. Coup de boule, rien à foutre. Je suis le roi de la France et je t'emmerde. Oh, c'est quoi ça? Aïe. Allez, en dessous. Ouais, bon bah je vais me tirer. Il y a un enculé qui a pris les deux pouvoirs du coup. Il a osé. Ouais. Bah vas-y, genre t'as le pouvoir de l'eau aussi. Bah allez, vas-y, va te faire. Ouais, ça commence. Ah oui, t'es loin toi. Putain l'enculé, eh, c'est vraiment un connard. Il me tue et derrière il fait quoi? Il lâche le pouvoir du feu. Tête de mort. Ta place, dépêche-toi. Lui, il a pris tarif. Ah, mais j'ai rien pour tirer de loin. Ça me fait chier, ça. Ah, moi aussi, j'aurais pu tirer du tour. Ça aurait été bien. Malheureusement, je suis arrivé. L'autre, il a piqué tous les pouvoirs. J'avais rien dans les mains à part la pioche. Ah bah, j'ai vite cherché à me barrer. Mais l'autre bâtard, il m'a tué avec... pouvoir de l'eau avant de m'achever avec le pouvoir du feu. Puis derrière, vas-y, je te lâche le pouvoir du feu à côté de ta carte, tranquille au bilou. Je me suis vengé sur lui parce que le boulot m'a toujours pas payé. Du coup, ouais, c'est pour ça qu'il a pris cher. C'est ma frustration. Cette nuit, j'ai rêvé de la phrase que j'ai répétée pendant plus de 2 heures hier soir. McDonald's Hall, bonjour, puis-je avoir votre commande, s'il vous plaît? Je te jure, j'en peux plus. Là, t'as Billy qui te répond. Oh, je voudrais un Big Mac, s'il vous plaît. Oh, il a vraiment laissé le pouvoir à côté de moi, c'est vraiment un chien, en fait. Ah, il y a un van, là, allez. Je savais pas. Ça se trouve, il est encore dans le coin. Ah, par contre, moi je vais m'amuser pour dormir ce soir. J'ai le dos en vrac. Non! Ah, bah je sais pas si c'est pas lui qui m'aurait pas tué. Il est lourd en plus, ce connard. C'est comme hier soir, j'ai fait mes 3 quêtes de partie. Hier, j'étais en duo.
Genre, je tire avec une arme minimum violette, voire bleue dans les mains. Je me fais mettre à terre par un abruti qui avait une arme grise. Non, mais c'est une blague ou quoi? Oh l'abruti! Abruzzi! Oh Noiraud, ta place, dépêche-toi. Tu décroches de la fenêtre. Hier, il y en a un à la caisse aussi, il m'a fait câbler. Tu sais, il arrive avec son ticket et tout. Il me fait tout un speech, je comprends rien à ce qu'il me dit, mais quand je vous dis rien, pour au final me dire, ouais, au fait, il me manque une mayonnaise. Si tu savais pas juste me dire, oui, excusez-moi, il manque une mayonnaise. Il m'a fait tout un speech pendant 10 minutes en me montrant son ticket, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Après, il me dit, ouais, en fait, il me faut juste une mayonnaise. Ah, j'ai câblé, j'ai le cerveau, il a fait erreur 404. J'en peux plus. Alors, on s'est tapé une de ces barres de rire au drive à cause d'une femme avec ses chiens. Tu sais, les espèces de petits chiens chez qui on fait des petites couettes parfois ridicules, comme ça, les petits palmiers, comme ça. C'est comme tu fais aux petits enfants aussi, les petits palmiers sur leur tête. Ben, la meuf, elle avait 60 ans, elle avait un palmier comme ça sur sa tête, comme les chiens. On s'est tapé une barre de rire. Je pense qu'on a rigolé pendant au moins 30 minutes, le fou rire qu'on a eu. Oh putain. Ah bah ça, je veux bien croire. Ah, j'en ai chialé, alors j'arrivais pas à garder mon sérieux. Et t'as mon collègue qui me dit, qu'est-ce que t'as rigolé comme ça. Je dis, viens voir au drive, il a explosé de rire aussi. Putain, non mais d'où tu fais une couette comme ça à 60 ans? C'est une horreur. Oh, rien que d'y penser, ça me fait péter de rire. Oh putain. Ah, faut pas me faire ça! Ah, oh, ta gueule! Ah. Oh, le fou rire! C'était magnifique! T'as recruté à fond, fond. Ouh. Ah, je vous jure, qu'est-ce que j'ai rigolé! Ah, c'est pas possible de me faire des trucs comme ça. Ah bah, y en a, ils ont pas peur du ridicule. Hein. Entre elle avec son palmier sur la tête, et les deux chiens à côté aussi avec leur petite couette. Ah putain, j'en ai mal au bide tellement on a rigolé. En plus, ce qui m'a fait le plus rire aussi, c'est que le mari et les gosses, ils étaient assis derrière et que t'avais les chiens sur la banquette avant. Donc en gros, le mari, il se fait exclure derrière pendant que les chiens, ils sont assis à l'avant. Ah, c'était génial. Oh putain. Ah bah, après tout, on a toujours dit, le ridicule ne tue pas. Hein. Ouf. Ah bah, ça là. Ah, j'ai. Ouf. Elle m'a fait ma journée, celle-là, tellement j'ai rigolé. Où est-ce qu'elle a pris elle? S'est fait prendre en sandwich. Là, t'es pas tombé au bon endroit, meuf. Ah, ça raise au manoir. Ah, punaise, le fou rire, quoi. Ouf. Ah, bah ça, je veux bien le croire. Ça m'a calé qui arrive aussi par curiosité pour voir elle. Au lieu d'être discrète, elle dit qu'est-ce qu'il y a dans les cheveux celle-là. Je dis, je te présente le petit palmier qu'on fait normalement chez les enfants. Et là, apparemment, ça se fait sur les dames âgées aussi. Bah, j'ai 60 ans, c'est pas si âgé que ça. Ça reste vers moi. Ouais, j'arrive. Parce que je suis resté à l'endroit où j'étais. Ah oh, putain, j'ai mal aux joues de rigoler. Ouf. Tu vas me faire courir tout le long de la map, connard, ou ça se passe comment? Oh, ah, je l'ai eu. Allez, hop, casse-toi, dégage. Il s'est pris une balle de snipe dans le cul, c'est réglé. Je l'ai vu sauter. Ah, ça fait bobo une balle de snipe aux fesses. Bon, ben, le bunker, il ne s'ouvre pas.
Je vois un coffre au niveau de la baraque, mais... Ah, il est là. Merci Afro. Si tu veux ça... Ah oui, mais non, tu joues pas sniper, toi. Ça vend des snipers violets. Ah non, moi je ne joue pas sniper. J'écoute du sniper, mais je ne joue pas sniper. Oh, demain je rebosse, j'ai la flemme. Tu savais? Oh, ça je veux bien le croire. Combien de fois ça m'est arrivé? Oh, demain faut que j'y retourne. Ah, oh, j'ai pas envie. Ah, bah, c'est que c'est 2 jours, enfin, pas 2 jours d'affilée, mais genre presque. Et puis après j'ai 2 jours, puis je refais le mardi, et puis après j'ai 4 jours, donc ça va, mais. En plus, hier, je voulais manger des nuggets, tu vois, avant de commencer, parce que sinon, je termine à 22h, moi, je crève la dalle, tu vois. Donc, je lui ai dit, je vais me prendre des nuggets avant de commencer, sauf que je suis arrivé 5 minutes avant de commencer. J'ai jamais avalé 9 nuggets aussi vite de ma vie. Je les ai même pas goûtés, mes nuggets, tellement j'ai dû manger vite. Et je pensais que manager allait me dire, ouais, vas-y, prends 2 minutes, hein. Au pire, je reste 2 minutes en plus, tu vois, je m'en branle. Oui, tu peux pointer, hein, Aurélie. Or qu'il voit que je suis encore en train de manger, quoi, le bâtard. Pff, font chier. Bon, bientôt, ils vont te dire « Oui, tu peux pointer, Aurélie. Oui, ben, je suis en train de chier, s'il te plaît. Vous le voyez, je suis aux chiottes. Ah, » c'est même ça, j'ai pas eu le temps de le faire avant de commencer, du coup... J'en ai profité quand il m'a dit « Tu peux aller vider les poubelles dans la salle ?» J'en ai profité pour aller aux toilettes. Il y a une voiture qui arrive. Mais je sais pas de où. Là. Genre, oh, il a le pouvoir de la terre. Ok, pouvoir de la terre, pouvoir de l'eau. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Bah là, je vais récupérer le pouvoir de l'eau au moins. Putain, mais tu vas me dire qu'il avait tous les pouvoirs, cet abruti? Visiblement. Tu fais geler. Pour de la terre. Moi, je crois que je préfère vraiment pour les dégâts. Je parle vraiment l'eau. C'est ça fait mal, hein, je trouve. Ah oui. J'essaye de voir parce que il y avait des tirs encore, mais. J'ai pris le pouvoir de l'air pour s'enfuir. C'est très rapide. Ah, il est super cheaté celui-là. Hein. Ah, le pouvoir de l'air pour Rota et puis pour se casser quand tu te fais tirer dessus. Il y a encore des pas vers moi. J'arrive. Et tu vas la prendre ta boule d'eau dans le cul ou ça se passe comment là? Ah bah j'ai avec le pouvoir de l'air, j'ai sauté de l'île. J'étais en haut de l'île, j'ai réussi à sauter avec le pouvoir de l'air, j'ai pas pris un seul point de dégâts. Il est mort. Voilà. Il tirait vers ici mais je vois personne. Ça tire encore, il y a toute la map ici ou c'est comment? Derrière, ça tire vers la baraque là-haut.
Il est mort. Merci Aphrodite, trop aimable. J'ai 42 balles de snipe s'il y a besoin, au cas où. J'en ai 51 pour l'instant, ça roule. Ah bah moi je suis la pharmacie armurerie. 3 kits de soins. Ouais, j'ai 3 kits de soins aussi. Moi. J'ai 3 pouvoirs et le pistolet mitrailleur prémonitoire violet. On t'avait dit de pas dormir les pieds à l'air. Et quand on a chaud, faut pas se mettre le cul à l'air, hein. Faut rester sous la couverture. Hein. Ah. Pire, t'as un collègue qui m'a tué aussi. À un moment donné, il y a une espèce d'odeur de paix dégueulasse. J'ai dit, oh putain, j'ai c'est qui a lâché une bombe là. Ah, c'est moi, j'ai pété qui me dit, j'ai ah, ok, cool. Merci de prévenir, c'est sympa. Il était bien ton paix. Ah, je sens rien qui me dit, j'ai ah, bah putain, t'as les narines bouchées, hein, parce que là. Non mais c'est le même qui a pas de gêne qui vient me dire pendant que je suis très sérieusement en train de faire mes paquets de frites, oh Aurélie je dois aller chier, mais je vais pas chier alors merde, me fais pas chier. C'est le cas de le dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille t'aider, non? Tu veux pas que je te torche le cul une fois que t'as fini non plus, non? Je te jure. Ça, je t'es dégueulasse toi. Le père qui répond, bah je veux bien, ça m'évitera de le faire. Il a pas de sort dans un sens. C'est le plus chiant quand on chie, c'est qu'on doit se torcher après. Bon, perso, quitte à le faire, moi je veux le faire genre à quelqu'un, genre comme Bébouche ou autre, mais oh, quitte à avoir le pantalon en bas des genoux. Ouais, la grand-mère, c'est non, quoi. Faut mieux pas être traumatisé non plus, tu vois. Ah bah non. Ah non, les escalopes toutes ridées, fripées, la tombante et tout, ah non. Ah, je sais pas comment elle fait ma mère, hein, pour s'occuper des vieilles personnes. Moi, déjà, je vois les pieds de ma grand-mère, j'ai envie de vomir. J'imagine même pas les nettoyer du matin au soir, je peux pas, hein. Ah non, mais là, on dit les grand-mères, mais même les pieds de quelqu'un de 20 ans, moi, j'ai une phobie des pieds. Moi, je vois des yeux, j'ai envie de dégueuler, hein. Donc je sais pas comment elle fait. Déjà mes pieds me dégoûtent, alors un pied de quelqu'un d'autre. Une fois ma grand-mère m'a demandé, tu peux me mettre mes bas de contention s'il te plaît? J'ai cru que j'allais crever et laisse tomber. J'ai une fois mais pas deux. Et attends, je vais traumatiser à vie après. Et puis là t'as un fétichiste qui arrive et qui dit, oh bah moi je veux bien les lécher moi. C'est dégueulasse. Et puis là, t'as notre petite panda qui fait... Mais... Cool, bunker. Ouais, je suis dedans. Faut que je me refasse un peu de la thune, parce qu'à force d'acheter des snipers à chaque fois, je suis pauvre. Ouais, comme ça, ça marche aussi. Le dernier, il voulait pas. Non, et voilà pour le petit con. C'est un résistant, celui-là. Oh, le sniper doré. J'ai un de ces stuffs de cochon, là. Ouais, je vois ça. De violet, du doré, ça voit, ça se met bien. Pour une fois que j'ai de la chance, on va pas se plaindre. J'ai un petit creux, j'ai mangé une banane. Moi je me suis fait un tiramisu revisité avec du fromage blanc. C'était pas mauvais.
J'essaye de reprendre un petit peu ma perte de poids parce que ces dernières semaines, j'ai fait n'importe quoi, j'ai plus perdu de poids, du coup, ça me fait chier. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'il faut préparer, quoi. C'est ça, en fait, le problème, c'est d'avoir le courage de te préparer tes repas, tes desserts et tout. Le problème, c'est que quand t'as la flemme, bah, tu vas faire quoi? Tu vas ouvrir l'armoire, tu vas prendre un gâteau, parce qu'un gâteau, c'est déjà tout fait, tu dois pas le préparer. Il y a des mecs qui arrivent. Ouais, pouvoir de l'air. 121. Il y a des bottes. Il y a le chat derrière. Le chat muscu, je sais pas quoi. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Il était tout seul, je crois. Non, j'ai tué l'autre. J'ai mis deux coups de. Ok. J'y avais mis deux coups de pouvoir de l'eau là, bah, il est tombé assez vite. Ça tire par là, mais j'ai pas de visuel. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que j'ai le pouvoir de l'eau aussi parce que ça fait très mal. Je crois que ça, moyen que c'est en dessous de l'île, mais on voit pas d'ici. Je dirais, ouais, j'aurais bien tendance à dire pareil en dessous de l'île. De toute façon, on doit aller par là en plus. La zone est de l'autre côté. On va faire une virée en tiro. On fait une virée en tiro. On est en train de faire de l'acrobranche. C'est là qu'on se prend une balle dans le fiac. J'ai des pas. Pouf. Oh, t'inquiète, tu comprends très bien. Un petit con, c'est vrai que tu comprends très bien ce qu'on te dit. Bon, par contre, s'il a un copain quelque part encore. Ah, ça me tire, ça y est. Tout 303 dans la tête. Allez, ça dégage. Oh. Allez, tiens, on va prendre ça. Ça me tire encore derrière nous. 121. Ah bah on est... Je crois qu'on est top 2. Ouais bah il doit rester une team et puis... Ouais ouais et ils ont un médaillon. Faut qu'on monte plus haut. Ah ouais, je les vois, ils sont là-bas. Pouvoir de l'air. J'essaye d'être discrète. Ah, là, derrière nous. Un mort. Dégage. Bien joué. Travail d'équipe. Après, c'est vrai que quand on joue avec Draco, franchement, on fait pas toujours des games de merde. Hein. On se démerde pas mal quand même. Hein. Surtout qu'en plus, là, je suis énervé. Donc là, les cons, ils ont intérêt de bien se tenir. Là, parce que je vais en botter du cul. J'ai quand même fait 8 kills dans la game. Ah, je sais pas, moi j'ai pas regardé mes stats. T'en as fait 9. Ah bah. T'as fait 9 kills, mais après je sais pas combien t'as fait d'assistance ou autre. J'ai juste regardé le nombre de kills que j'ai fait, j'en ai fait 8. Level 140, déjà. Oui. Bah oui, parce que la tenue que j'ai, c'est celle de la page, je crois, 4 des récompenses bonus ou qu'elle est rose et blanche. Amananinou. Ouais, j'adore cette musique d'animation. Alors,
Alors, tirer dans la tête d'un adversaire avec un fusil à pompe, ça devrait pouvoir se faire. Oh. Alors, détruire des drones d'approvisionnement, à des points chauds. J'ai jamais à des points chauds. C'est peut-être pour ça que j'ai pas encore fait les défis. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu veux ma photo ou quoi? Mais qu'est-ce que vous avez là à me casser les couilles? Vous voulez quoi? Vous voulez manger? Il y a des croquettes. Vous avez soif, il y a de l'eau. Et si vous voulez sortir, les chiottes, ils sont là-bas. Faut leur apprendre à aller sur les chiottes humaines. Qu'est-ce que t'as, petit con? Toi, t'es trop petit, tu peux pas aller sur les chiottes, tu vas tomber dans le trou. Oui, alors par contre, merdeux, t'es bien gentil. Moi, ouais, je veux bien que tu joues, mais tu me chiques les doigts pendant que je suis en train de jouer, ça va pas le faire. Ah bah, il me chique les doigts pendant que je joue, il prend une baffe. Hein. Oh, t'inquiète, ça marche. Il comprend très bien. Parce que quand il est revenu du toiletteur et que j'ai dit ah, maintenant que t'es tondu, tu peux les voir arriver les baffes. Au direct, il s'est retourné, il m'a regardé, l'air de dire quoi? T'as dit quoi là? T'as dit baf? Oh putain. Oh t'inquiète, ils sont pas cons, hein. Ils savent très bien ce qu'on leur dit. Hein. Oui, bah vaut mieux pas qu'ils ont la parole parce qu'on pourra prendre de sacrés dossiers, putain, on serait pas dans la merde. Il a raison d'avoir peur. Non mais oh. Bah autant que la maîtresse, hein, j'ai envie de te dire. Aphrodite, bouge-toi de mon chemin un peu. Ça a l'air de tirer sévère au niveau du manoir. Ouais, j'entends ça. À part si c'était les bottes. Bah ça tire peut-être sur les bottes, mais en tout cas il y a du vrai monde parce que les bottes ils tirent pas sur rien quoi, entre guillemets. Donc s'ils tirent, c'est qu'il y a du monde. Je t'ai ping un petit snipe violet. Je sais pas ce qu'il y a comme lunettes dessus, mais... J'arrive! Faut pas oublier que là on a une couronne. C'est ça, on a tendance à l'oublier assez souvent. À se faire démonter la tronche. On fait top 1, on oublie qu'on a la couronne, on se fait vite poutrer derrière. Bah là on est encore en vie. Hein. Parce que souvent moi quand j'ai une couronne, après la game d'après, même pas le temps d'atterrir, limite que je suis déjà morte. Hein. Ah ça je connais bien ça. Ah c'est vrai, il faut que je trouve un fusil à pompe. Ah bah tiens, il y en a un gris là. Allez hop, on va prendre ça. Et si j'arrive à en mettre un à quatre pattes, et bah je vais essayer d'y tirer en pleine tête avec. Je dis bien essayer parce que c'est pas dit que j'y arrive. Fatigué, c'est dieu ça. Ce soir je fais un gratin. Mais bon, j'ai pris des... J'ai tellement fatigué que je vais utiliser des pommes de terre en bocaux, tu sais. J'ai pas envie de m'amuser à éplucher des pommes de terre, les cuire et tout le bazar. Moi, là, elles sont pré-cuites, je peux direct les mettre dans le plat. Hop, ça va au four.
avec mes choux-fleurs et hop, c'est prêt. Simple, rapide, efficace. F fait chier, le bunker il s'ouvre pas. J'ai un point rouge sur mon sniper, ça va être compliqué. Ah, je sais pas, il y a un bunker qui va s'ouvrir. Re. Je vais faire ma Draco, je vais péter les barils de snap, slap, or que je suis déjà full. Voilà. C'est une bonne technique hein, quand même. Vous voyez, elle déteint sur moi, force de jouer avec elle. Comme ça, au moins, hop, on est tranquille au bilou. Comme ça, ils se remettront pas du soin, les gueux. Ah bah, Billy, c'est sûr qu'il est tranquille au bilou, il est sur mes oreillers, le bâtard. Il ronfle, il ronfle. Hier soir aussi, je rentre du boulot, 10h30, je suis éclaté. Il se couche à côté de moi, il commence à ronfler. J'ai dit, putain, le bâtard, on dirait que c'est lui qui a bossé. C'est une honte. Avec mon père, on est mordé. Mais qu'est-ce qui ronfle fort en ce moment? Mais fort, et tous les jours. Avant, tu sais, il ronflait, genre, de temps en temps, ça lui arrivait. Parce que bon, c'est un boxer, donc les chiens avec le museau plus plat, bah, ils ronflent. C'est comme les bulldogs français et tous les petits chiens comme ça, museau plat, tu vois. Donc c'est drôle. Mais là, je sais pas ce qu'il a, je crois que c'est la vieillesse. Il ronfle de plus en plus. Bon, vieillesse, il a que 6 ans. C'est pas si vieux que ça, mais quand même. Au plus il prend l'âge, au plus il ronfle. Alors hier pour déconner, j'ai dit au boulot, je vais rentrer, je vais demander un massage à mon amoureux. Et il y a mon collègue qui me dit, oh ça fait combien de temps que t'es avec ton chéri? J'ai dit, mon chéri en question, il est poilu et il a quatre pattes. Oh, j'imaginais bien sa tête. Ah, ah d'accord. C'est celui-là, ah, je pensais pas que c'était ça ton chéri. Oh, pouvoir du feu, allez hop, on prend. Et les 8 bébés lapins qui vont bien, qui ont survécu tous les 8 pour l'instant. Ils ont presque 2 semaines déjà. Ça passe trop vite. Je m'attendais pas à ce qu'ils survivent tous les 8. En vrai, je suis contente, ils sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai déjà un des 8 qui est pré-réservé, entre guillemets. Dès qu'ils savent les sexes et les couleurs, un peu plus, ils vont choisir. Ça me fait rire parce que je commence à me faire connaître dans le monde de l'élevage, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, oui, c'est quand que vous avez des naissances et tout. Alors que les petits, ils sont même pas encore nés, tu sais. C'est cool, en vrai. Vous êtes qui, vous? On se connaît? Je vous connais pas, moi. Je te jure, parfois, je réponds, oui, bonjour, quelqu'un de ma famille a pris un bébé lapin chez vous, est-ce que vous en avez en ce moment? Non, ils ont pas encore Ken. Faudra attendre qu'ils aillent au cul. Ah ben ça, c'est si la nature le veut bien. Ça marche pas à tous les coups, comme on dit. Oh, il y a une couronne. Oh, il y a des couronnés. Attends, on va se faire exploser la gueule. Hein. Là, nos couronnes, je les sens bien. Je les sens pas, là. Il y a des mecs dans le coin, il faut faire gaffe, hein, mais je sais pas où ils sont. Ça me stresse. Bah en tout cas, là je viens de récupérer une arme dorée. Oh, pistolet mitrailleur doré aussi. Oh. Pareil, j'ai un sniper doré. Faudrait qu'on aille là au bunker pour que je puisse mettre la bonne lunette dessus.
C'est dommage que le Ah seul non, pouvoir il qu'il y en a un avait. plus près, il y en a un là, mais il sera pas tout à fait en zone, mais c'est pas grave. C'est dommage que le pouvoir qu'il avait, c'était le pouvoir de la terre. Parce que ça aurait été le pouvoir de l'eau ou de l'air, ça m'aurait bien arrangé avec le pouvoir du feu, mais. Moi j'ai le pouvoir de l'eau. C'est le médaillon, je vais pas le jouer parce que j'ai pas la bonne lunette du sniper, je vais d'abord aller changer ça. Je sais pas si t'as ce bug aussi ou s'ils ont changé ça avant sur la map. Tu sais, tu voyais ton mate, tu voyais le petit triangle de couleur de ton mate. Moi, je l'ai plus. Je suis obligée d'ouvrir la carte grand pour te voir derrière moi. Bah là, je sais que je te vois pas, mais je sais que tout à l'heure, par contre, je voyais même le truc d'Aphrodite. Donc ça doit sûrement dépendre de certaines parties, je pense, je sais pas. Peut-être un bug, ouais. Bon, ça se trouve, il y a du monde dedans. Non, les coffres sont pas faits. Oh bah tiens, pistolet mitrailleur tambour, pouvoir du feu. Je vais juste voir si... Hop, on va faire ça. Et voilà. Je suis paré au combat. C'est là-haut. Ah oui, j'ai vu sautiller à 200 mètres. Ah, mais c'est un peu trop loin. Non. Lunettes de toilette. J'ai tenté, mais j'étais beaucoup trop loin. Je sais pas pourquoi j'ai tenté ça. Ah oui, il faut que je tire sur des drones. Pour la discrétion, on repassera. Hein. Sniper. Juste ici le snipe. Il y a une voiture qui s'amène. Je confirme. Sérieux, frère? Il y a trop de monde. D'où? Oh, je sais pas c'est d'où que je me suis fait tirer, mais je vois qu'il y a un deuxième médaillon qui arrive. Ouais, je me suis caché dans la baraque. Il y a trop de monde. Non. Tu le vois celui-là? Discrétion incarnée. On me voit pas, je suis trop discrète. Ah mais avec Afrofro c'est... Ça va Ouais, attraper. si elle se met à tirer, je suis foutu.
Putain, mais j'arrive pas à sortir. J'y crois, toi? Est-ce qu'on va faire enquête déjà là-dedans? Bah visiblement dans les quêtes de feu, apparemment j'ai tout fait. Apparemment. Ah oui, acheter des soins à un personnage ou dans un distributeur de soins. Enquête hebdomadaire. Je vais voir si le bus y a moyen. Elle fait du combien la zone? Du 1. Ouais, pour l'instant, elle tape à 1. Merde, je me suis bloqué. Allez, Aphrodite, mais casse-toi! Il me fait chier à être dans le chemin tout le temps, celle-là. Chiro, à côté de moi. Ils sont au-dessus de nous. J'avais oublié que ce que je venais de récupérer tirait en coup par coup. Ça va bien et toi? Pour pouvoir jouer, il faut être un minimum follow à la chaîne, être un minimum présent sur les lives et dans le chat. C'est bizarre que G-Fab il est pas encore là. C'est vrai. D'habitude il est là à 4 heures. Ouais. Il a peut-être du retard. Il a peut-être été retenu au travail. Ouais. Ah pourtant il est sur le live. Fais comme moi G-Fab, on va les chier. Dis nique le travail. J'ai des games fofo à faire, j'ai un pass à farmer. Ah bah attends, on revient au salon. On va récupérer G-Fab. C'est bizarre, on parle de G-Fab et il pointe le bout de son nez. Le bout de son nez. T'es pas du tout crédible G-Fab. Tu n'es pas du tout nouveau.
Pour l'instant, je le vois pas encore co. Ou bien c'est un bug, ou bien il a pas encore lancé. T'as sur le truc Avatar, là je suis sur le dernier match. Hein. L'espèce d'épée ou je sais pas quoi là, 11 000. Et dans les récompenses bonus. Ah bah non, je suis à la page 4. J'ai entamé la page 4 hier. Donc la tenue que je porte, c'est la page 3. Ah, j'en veux un, Bébouchou. Ma tasse est vide. Merci. Oh. Putain, y a des trucs au niveau des boutons de la Switch là qui veulent pas partir. Casser tout. Il me faut encore 55 étoiles. Bon café, Amélie. Merci, Bébouchou. Ça doit être de la pub, comme d'habitude. C'est comme moi l'autre ce matin qui m'a appelé direct, nique ta mère, allez hop. Message téléphonique, ras le cul. Ah, j'aimerais pas faire ça comme boulot. Tu te fais insulter du matin au soir. Ah, ben là, en l'espace de... En l'espace de 3 jours, je dois déjà mon 6e ou 7e appel. À un moment donné, va te faire foutre, nique ta mère. Ah, moi ça me fait chier quand ça me réveille par contre. Faut pas me réveiller le matin, genre... Laisse-moi dormir. Coucou. Coucou. Hey, coucou. Ça va? Ça va et toi? Coucou Draco. Ouais, ça va, maintenant je suis en vacances, tout va bien. Ah oui, c'est vrai, c'est les vacances. Ouais, putain, une journée de merde. Ouais. Oh, mon papa, quelle soirée hier soir. J'ai lancé mon stream à 14h30 tellement j'avais du mal à me réveiller ce matin. Genre, j'étais vraiment à la ramasse après hier soir. Ah, oh, j'étais fatiguée. C'est mon canapé, il était bien. Du coup, je restais un petit peu plus longtemps dans le canapé. Je me suis dit, je vais lancer à 14h30 sur du Fofo, ça va me réveiller. Parce que j'avais prévu du Planet Zoo. Avant, je me suis dit, si je vais sur du Planet Zoo à 13h, je vais m'endormir. Genre. Ah ouais. Ah non, même le jeudi soir, c'est intense. Hein. Putain. Pas moyen d'avoir un jour un petit peu calme. Ah bah ça va. Bon, ça va, j'ai quoi de faire en termes de V-Bucks? 4600. Ouais, bah ça va, ça va être tranquille. Oui, le seul truc que j'ai craqué dans la boutique, c'est le planeur en dragon blanc qui était, je crois, à 800 V-Bucks. Ah oui, ouais. Je l'ai en bleu, je crois. En bleu glace, là, un truc comme ça. Il est joli, ouais. Ouais, c'est celui-là que j'ai pris, que j'ai mis à la place. Du machin robotisé en forme d'aile ou je sais pas quoi. 845. Oh, nom de Dieu. Bon, maintenant que Diffab est là, hop, ça va casser du cul maintenant. Tout défoncé là, ils m'ont énervé, je vais tout fumer. Draco, elle est arrivée vénère aussi.
Et on a fait top 1 la première game. Elle est arrivée vénère, laisse tomber, on a fait top 1. Allez, eh ben, bim. La deuxième, on s'est fait poutrer. Ah là là, je te jure. Non, c'est quand? C'est hier soir, j'ai joué un peu, ils m'ont énervé. Et ils ont le truc de feu, là, en 4 secondes, ils me défoncent la gueule. Moi, j'ai le truc de feu, j'arrête pas de leur tirer dessus, ça leur fait rien. Ouais, pareil, j'aime pas le feu. J'arrive pas à l'utiliser, je préfère l'eau. Ah, ça y est, t'as le level 101. Ouais, j'ai passé le 100 hier. Oh, un petit dalmatien. Oui, c'est ça. Petit dalmatien. Je suis sûr que tu fapes ses pinceaux, parce qu'il aime bien les pinceaux. Comment t'as deviné? Oh bah je commence à te connaître, hein, dit Fab. Hein. Moi aussi j'aime bien tremper le pinceau. Ah bah il faut. Il paraît que ça détend. Bah oui. Ah oui, on est plus zen et plus léger après. Ça stabilise ta tension. Et ça renforce les liens avec mon partenaire. Aussi, par la même occasion. Bon, alors, niveau manoir, comment ça se passe aujourd'hui? Ça va, faut que je t'en ai plutôt pas... Faut trop mal sortir, je suis claqué, moi, laisse tomber. Genre, j'ai physiquement, je suis là, mais mon esprit, il est dans mon lit, là. Et moi, je suis quand même bien content d'avoir une semaine tranquille. Impression qu'il y a du vrai people, là. Hein. Oui, il y a du... J'ai vu qu'il y avait du monde. Ah, yop, toi t'as pris tarif. Je sais que pour les quêtes de feu là, il faut allumer un petit feu de camp là. Oui. Bah y en a un qui est pas très loin d'Afrofro. Merci de me le rappeler. Oh, ils sont où les amis les bots? Ils sont dans le toit, non? Oui. Allez, tiens, toi, t'apprendras à tirer. Oh merde! J'ai jeté une banane sur le bot, ça marche pas. J'avais pas vu que j'avais les bananes. Là, par contre, l'histoire d'aller acheter les bottes à chaque fois, là, ça coûte cher. Hein. Ah oui. J'ai plus de thunes, hein, j'ai même pas 1000. Ah ouais, moi aussi, je suis à 800, moi. Moi, je sais que dans les quêtes hebdomadaires, il y en a une que j'arrive pas à faire, c'est acheter service de soins à un bot ou dans un distributeur automatique. Ouais, j'arrive pas à la faire non plus, mais si j'ai bien compris, il faut pas être full en vie, au fait. Oui, il faut aller au distributeur quand t'es pas à 100. Et comme ça, il y a l'option de te soigner. Ah. Parce que je sais qu'il y en a une, j'ai galéré à faire, c'est ils te disent de fouiller un coffre aux enfers, aller à Green Gate ou je sais pas quoi, et c'est partir sans subir de dégâts. Et celle-là, j'ai galéré pour la faire. J'ai réussi à la faire qui hier soir? Non, je l'ai fait assez rapidement celle-là. Ouais, elle me dit rien, j'ai pas encore eu à la faire. Bah en fait celle-là, quand tu vas au niveau de Green Gate, à un moment donné, en haut, t'as un coffre des dieux. Ouais, les coffres spéciales, tu dois juste en fouiller un et puis en gros tu dois partir de la ville sans prendre de dégâts. C'est ça. Ouais, ou sinon faut être bien équipé. Si t'as le truc de l'air, dès que t'as fouillé un coffre, tu te barres avec l'air.
Ah bah moi il y a une game que j'ai fait, j'avais les quatre pouvoirs, j'avais réussi à trouver les quatre pouvoirs quasiment au début de game. Ah bah je suis parti sans subir de dégâts ou autre. Et bah la quête elle a pas voulu être validée. Ah ouais? J'avais les quatre pouvoirs, j'avais je sais plus, je crois que c'est un fusil d'assaut rival ou un fusil pistolet mitrailleur tambour. Enfin, je sais plus trop quel truc que j'aimais bien jouer avec. Je suis parti sans subir le moindre dégât. La quête, elle a pas été validée. Le bunker au moulin va s'ouvrir. Ah bah c'est bien ça. It's a good news. Ouais. C'est quoi ça? Oh, c'est pas mal ça. Là, j'ai laissé un pouvoir de l'air et il y a deux feux dans la serre. Moi j'ai déjà un pouvoir du feu, mais ouais, je dirais pas non pour un petit pouvoir de l'air. J'ai l'impression de devoir dormir pendant 6 mois, la gueuse. On va se chauffer d'abord, parce que déjà le feu ça m'a énervé hier, là, le mec le touchait pas. Enfin, je sais pas, pourtant j'étais sur lui, mais ça lui faisait pas beaucoup de dégâts. Et moi, quand je croise Triste. un mec avec le feu, il me poutre en 3 secondes. Hop, et à peine Avatar va partir, il y a Star Wars qui va arriver, ils vont nous remettre les sabres laser. Ouais. On va griser. Ouais. Pas sabre laser encore, je m'en sortais pas mal avec. Ouais, quand tu les as, t'es content, hein. Par contre, quand tu te fais buter avec, comme Il pour. faut bien choisir quel sabre, parce que il y avait le sabre, il y en avait 3-4 de sabres. Ouais. Ils sont pas tous équivalents. Ensuite, Dark Vador, par exemple, j'aimais pas. Avec le pouvoir d'attirer le mec vers toi, c'était pas top. Par contre, celui d'Anakin où tu repoussais les mecs, il faisait très mal. Donc je sais pas, après peut-être qu'ils les mettront pas, remarque. Ah, on verra bien ce qu'on aura. Ouais, je sais que ça donne des coffres, t'inquiète. Oh, bah, Tiens, ça toi est tu hyper feras moins le violet. malin, toi. Allez, hop. Je De le quoi prends tu pas, veux? mais non, parce qu'on va fouiller le bunker d'abord. Parce que Ah le ouais. t'as que 5 minutes pour trouver les coffres légendaires, donc. Ouais, d'ailleurs pour des coffres légendaires, souvent ils donnent quand même un peu des trucs pourris. Hein. Ouais, souvent des pistolets mitrailleurs, ça m'énerve. Moi qui Bon, joue pas hier pisser, il m'a fait maître. une fois, j'ai eu ouais un fusil mitrailleur violet. Et un pompe frappeur violet. Moi, je viens de me faire une team à moi seul avec le pouvoir du feu T'es où, Drapeau? Bah, t'es au niveau là-bas. du manoir. Ça faisait presque gyrophare là, quand tu tirais ton feu en roulant. On aurait dit les pompiers qui arrivaient. Mais t'as déjà vu ce que ça donnait le pouvoir de l'air quand t'appuies sur le bouton pour sprinter avec? Oh putain, tu vas vachement vite, hein. Regarde. Là, je vais prendre le pouvoir de l'air. Et là, j'appuie pour sprinter. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça envoie, ouais. Elle est où, Punaise. Drapeau? Elle est là. Je suis jamais très loin. Non, mais t'étais devant moi, puis pouf, t'es parti en l'air et je te voyais Ah, mais j'aime partir en l'air. plus. Ça renforce la cohésion en même temps, c'est bien. Drapeau,
fais barbecue. Je fais pas dans la dentelle. Je suis toute violette, moi. Moi, non, pas tout à fait, mais je suis pas mal. Alors, moi, je suis toute bleue. Je vais activer les coffres légendaires. Oui, vas-y. Alors, ils sont où? Oh, bah, dans Fencing. Là. Et un peu plus loin. On va aller voir ça. Oh, il y a un bidon de slurp à péter, là. On fait une virée en tiro. On fait une virée en tiro. Y'a un mec. Il y avait un mec. Mais il était tout seul. Oh, ça c'est parce qu'il a dû se perdre. Il voulait demander son chemin et on n'a pas eu le temps d'y répondre qu'il a mouru. Le premier coffre, il est où? Je le cherche là, mais... Ouais, ouais, pour l'instant je l'ai pas. Oula, il y a eu un carnage dans le coin. Là. Ah ouais, mais je peux pas. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu buggés, ces coffres. Bah là, je le trouve pas. Ouais, qu'ils s'affichent pas super bien, alors que d'autres fois, ils sont super bien affichés. Est-ce qu'il serait pas dans le sous-sol? Tu crois que c'est possible qu'il soit dans le sous-sol? Aucune idée. Je vais aller voir si je trouve déjà le deuxième qui est juste un peu plus loin. Histoire qu'on ait né quand même un sur deux. Mais écoute, non, ça a pas l'air. Il y a un médaillon qui se rapproche. Ouais, je vois ça. Ah, le deuxième, je l'ai. Bon, faut qu'on trouve le premier, bordel. Ah, je l'ai. Devant le camion qui reste. Sniper violet, point rouge, je crois. Et dans le deuxième, il y a sniper doré. En lunettes. Ah, putain. Bon, après, l'aller-retour, il peut se faire. La panda. Ouais, je sais pas, il est encore en zone, le machin. Ouais, s'il est pas en zone, il est pas loin. Bon, je retourne vite au bunker. Il est où le violet? Il est là. Et en plus, je viens de voir que j'avais même pas changé la lunette sur mon violet. J'ai oublié. Ah bah ouais. Ah, mais il a une lunette de merde, lui aussi, le violet. Ouais, c'est chier. Bah ouais, j'ai oublié de changer la lunette. La meuf, elle va dans le bunker pour changer la lunette, elle ressort et elle a pas changé la lunette. Oh bah, je garde mon tireur des loups de verre. Bon, tu peux m'accompagner aussi changer la lunette, mais... Ouais, mais il y a les finances aussi qui sont un peu limites. Ah oui, c'est vrai. Bah là, je suis à 1200, moi. Attends, si tu veux, dis fablotte un peu de lingots là, qui sont dans l'eau en train de flotter là. Ça va bien et toi, Dory? La ramène pas, hein, c'est pas mieux toi. Et puis t'en as là sur la plage. Merci, c'est quoi ça? Ah non, je l'ai pas vu, faut pas que je le voie lui. Il y a un bourlingueur violet. Ah oui. Draco. Oh, j'en peux plus. Mais il arrache tellement bien les gueules, le bourlingueur violet, que j'ai du mal à le laisser quand je le croise.
Ah oui, bah ça fait mal. Hein. Mais bon, là, c'est bon, j'ai préparé toutes mes armes, fais chier. Bourlinguer. Ah. Quel joli mot. Bah, juste le nom, c'est plein de poésie. C'est le bourlingueur. Oh. Oh, ça a de ses effets, ça. C'est plein de promesses. Ah, Draco, on l'a perdu, ça lui donne des frissons et tout. Donc ça lui fait T'es de l'effet. J'ai des où? pas, ils sont deux. Dans un buisson. Ils sont Ah oui, ici. là. Trois, ils ont un bot. Un KO. Le chaos. Deux KO. C'est Je te laisse mort? récupérer l'argent du pub. Hein. On a eu la Il team, on a eu y a la du team petit là. lourd, là. Ah oui, non, on est en trio parce que moi je dis ils sont trois, ils ont un bot, mais on est en trio. Oui, en fait, c'est ça. J'ai trop l'habitude de faire de la duo. Ah, c'est parce que tu joues pas beaucoup avec moi, c'est pour ça que je te perturbe. C'est moi le bot de l'histoire. En fait, je joue pas souvent cette saison. On s'était fait la réflexion avec Diffab aussi, vu qu'on joue souvent en duo. Et qu'on se fait poutrer en duo parce qu'en duo le niveau il est vachement plus élevé qu'en trio ou en squad. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ça tire quelque part vers là-bas. Ah là, la Oui, petite très fort. baraque. Oh, si elle passe celle-là. Là-bas, là-bas aussi, il y a une banane. Ouh, il y a plein de monde là-bas. Ah oui, j'en ai. Oula! J'ai pris cher. Oh, il y a un sniper. Oula. Je repars en retrait pour me heal, moi. Ah! Oh, il fait bien mal, lui. Il s'est bien joué son snipe. Hein. Il n'y a plus le baril là. Oh, il y a le pouvoir de la terre. Je viens de voir que ça balance des blocs de pierre. Ouais, mais alors il les balance comme une brêle. Hein. Ah bah c'est une tête Jack. Hein. Je crois qu'il va me toucher là. Et 98 dans ta face. Je me suis mis en retrait pour me soigner moi. Parce que là, c'est... C'était peut-être Jack Brett, hein, on va savoir. Ils sont où exactement? Il y en a un derrière l'arbre ici. Les autres, ils sont derrière le caillou du départ. Putain, il prend pas ses balles derrière son arbre de merde là. Ah, il est venu, l'autre, je l'ai pas vu, putain. Il y a son enculé de pote qui est venu pendant que je tirais sur le sud d'arbre. Attends, je t'envoie Aphrodite. Mais non, je veux pas danser, mais truc de Non, il merde. m'a buté. Il pourra pas le faire, Aphrodite. C'est un sapin de Noël de merde avec des boules, là. Comme Ah si c'était la bah. période d'être en sapin de Noël. Il y en a qui a le pouvoir de l'air. Ah ouais, je le vois. Ils se font tirer ailleurs, là. Ah, j'ai pas récupéré la carte. La panda, faut que tu te soignes. Et merde. Ah, merci Draco. Oui, j'ai voulu récupérer ta carte. Mais il y en a un qui m'a tiré dessus en même temps, c'est pour ça que j'ai pris aussi cher. Oui, mais vu que je suis habitué avec la panda, quand je meurs, je tombe sur l'écran de la panda. Je pensais que c'était elle. Ah, et puis la zone là, elle tape à 5. Fais chier. Je suis dans la merde. De toute façon, t'es 3v1. Ouais.
Tu devrais peut-être fouiller un peu les baraques histoire de te faire que de monter à quatre grenades. C'est ce qui peut te sauver. Ouais, mais j'essaie de voir où ils sont, en fait. Bah, ils ont pas l'air de rusher, ils doivent être planqués, hein. Tiens, Aphrodite, elle retourne au village. Elle boude. Au pays des Schtroumpfs. Maintenant que j'ai besoin de deux grenades, je vais pas en trouver, tiens. Parce qu'avec 4 grenades, ça peut te changer ta game. 2, ça fait un peu ledge. J'ai des pas. Ah oui, mais bon, c'est deux comme Popol, hein. Oui, ça je suis d'accord, mais bon. Au moins, c'est équilibré, une de chaque côté. Voilà, au moins tu penches pas. Ah non, sinon, ça serait bizarre. Ouais, c'est lui qui m'a tué le sapin de Noël de merde là. Merde! Ah oui, ça c'est bien pour qu'il s'achoutait. Il a occupé, il a occupé. Il t'avait pas vu. Putain, j'arrive pas à sauter sur le toit, fais chier! Ah! Bon, le sapin, je l'avais presque. Hein. Je l'ai mis tellement low avec mes deux grenades, mais là. Mais c'est une gang de sapins, ils sont plusieurs. Hein. Mais le premier, t'as failli le fumer. Hein. Il veut pas rester grand-chose. Mais. Bien, et toi? Je suis d'accord. Bah, il y en a avoir un moche ou deux des fois. Un mal coiffé le matin, tu sais. Ouais, comme moi qui avais une sale gueule ce matin en se levant. Bah, tu sais, moi, quand je me suis levé à 5h ce matin, je faisais pas le malin non plus. Oh, je sais pas, moi en général, 5 h, moi c'est pas le matin. Hein. Ah, quand Billy m'a réveillé à 7 h pour pisser, je te la. Oh, vie de merde. Je me suis vite dit, allez, réfléchis pas, c'est le dernier jour. Lève-toi, parce Bah que en fait, au plus tu traînes, au plus dur c'est. C'est vraiment juste une question de se lever et de sortir du lit, quoi. Une fois que t'es lancé, mais. C'est le ouais, c'est vrai. lancement qui est dur. Ah oui, des fois, puis Re. Re-Orion. en fin de semaine comme ça. Bah là, c'est vrai que d'habitude, j'ai pas l'impression d'être aussi fatigué après le boulot, mais là. Aujourd'hui, je suis éclaté. Mais quand je te dis éclaté, c'est éclaté, quoi. Encore chose que je rebossais pas aujourd'hui, je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais arrivé au boulot. Salut tout le monde. Allez, je fais une petite sieste entre deux commandes. Pourtant, j'ai rien fait, hein. Je m'assoupis un peu entre deux commandes, m'en voulez pas. Avec Head & Shoulders, n'oubliez pas les pellicules, exactement. Ils m'ont toujours pas payé. Je vais péter un câble par contre. Quand tu vas toucher tes sous, tu vas être riche, toi. Ah, je te jure, je vais toucher 3 salaires d'un coup là. Ça se trouve, ils vont me verser tous mes salaires d'un coup. Non, mais là, je commence à moins rigoler parce que ça commence à être serré niveau budget. Là, j'ai besoin de mes sous quoi. Non, et puis bon, ouais, le salaire, c'est important, quoi. Bah, c'est presque 800 balles, hein. C'est énorme dans un budget.
C'est pas comme s'il me devait 50 €, tu vois. Je peux pas laisser les gens comme ça sans salaire. Enfin, je comprends pas le Et t'as délire. pas donné de délai ou quoi? Ben non, je lui ai demandé est-ce que je vais devoir attendre jusqu'à mon prochain salaire. Elle m'a dit non, non, ils vont te payer. Bon. La semaine des 4 jeudis, des 3 dimanches. Ça reste un peu vague. Bah oui, sachant que je l'ai appelé lundi, donc on est vendredi. Bon, ouais, le temps qu'il lance le machin, peut-être, je sais pas, mais. Ça serait con. Tu pourrais plus te servir de ton ordi. Putain, elle m'a couché. Qu'est-ce qui t'est arrivé, dit Fob? Là, il y a une Janine avec un chapeau, là. Janine? Au milieu des bottes, là, qu'est-ce qu'elle fout là? D'habitude, j'ai que des bottes. My little pony. Bon, bah, je fais dodo à côté du manoir. Bah, bonne nuit, dit Fab. Sieste. Je me repose. C'est la fatigue, ça, c'est ça? Ouais. Oh, bah, de temps en temps, c'est bien de se reposer, hein. Pas Non, mais croire. c'est. Des fois, on est bête quand même, quoi. C'est moi, j'ai mal joué. Je suis allé au pompe frappeur, je lui ai mis une décharge, ça l'a pas tué, mais le temps que. Bon, attends, j'arrive. J'essaie de J'ai un trouver petit. des bastos pour y aller aussi, mais. Oh, bah, j'ai récupéré un pistolet mitrailleur tambour avec 150 balles dedans. En sortant d'un coffre. Ce qu'il y a de chance, c'est que là, elle aurait peut-être eu le temps de se soigner. Donc, si tu la croises, peut-être qu'elle va péter le feu. T'as recruté Aphrodite, toi, Draco? Non. Moi non plus, c'est qui l'a volé? Arrête de sauter, ta mère la pute! Moi, c'est pas elle qui m'a tué, c'est une autre. Oh, ah bah ça c'est vachement plus haut en level, hein, parce que ça a déjà le skin Ouais. De Méduse ou je sais pas quoi en vert. Hein. Donc c'est déjà minimum à la page au moins 6 des récompenses bonus. Hein. Débile. Ouais, ça il a fait n'importe quoi, franchement. Faut vraiment être. Fais gaffe, it's a snake. Oh, aïe aïe aïe. Oh putain, il t'a fait mal. Non, Aphrodite, je Par sais pas où contre, tu je n'ai vois, qu'à là, aller jouer il aurait dû truffe et il truffe pas. parce que je suis arrivé et j'ai été direct au niveau de la plage et là où il y a les trois coffres vers la Tiro. Mais j'ai pas vu Afrofro. Le problème, c'est que je sais pas où il est. Ouais, et je suis pas sûr qu'il soit venu récupérer la carte de son pote. Je pense qu'il Ben t'a non, pas aidé. sinon je l'aurais vu dans le dans l'eau. Oh putain, j'ai des. Ça vole. Dans la tour. Ouais. Ouais, j'entends des coups. Ah, c'est elle qui m'a tué. What? Aïe aïe aïe. 128, 168, 102. Ah bah ça doit être le 168 qui m'a niqué. Il faudrait qu'ils préviennent en même temps. On n'est plus habitué à avoir du monde au manoir là. C'est vrai. Attention, on réplique. Bah ouais, moi avant c'est bon, je savais, j'avais toujours une team au manoir. Donc là,
Ah, moi, en général, quand je joue en solo et que je vais au manoir, à part les trois bots, il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Et même, c'est quand? C'est pas hier, c'est avant-hier, avec la panda, quand on a joué. Je suis allé, je sais pas combien de fois au manoir, j'ai croisé personne. Peut-être une fois, j'ai eu un clampin sans faire exprès, c'est tout. Clampin. Le clampin sans faire exprès. Non, mais c'est Par vrai. excellence, clampin par excellence de père en fils, cette génération. C'est le gars qui s'est perdu, il sait pas ce qu'il fait là. Ouais. Maintenant, s'il commence à y avoir des teams, il va falloir faire différent. Parce que si tu te poses en hauteur au manoir, en général, tu as le temps quand même de récupérer une arme avant de te. Et là, vu que je me suis posé à terre. Oh, punaise. Et tu vas voir ce soir quand ça va être l'heure d'aller dormir. Là, j'ai ma fatigue qui va être passée, tu vois, quand c'est le temps d'aller se coucher. Ah, moi, ça me fait ça tous les jours quand je bosse. Le matin, quand le réveil sonne, je me dis ce soir, je me couche. Ouais, et quand c'est l'heure de se coucher, t'as récupéré en fait, et du coup, t'es en mode Ouais, ah là là et là qui là. arrive le soir, et ben, t'as pas envie de te coucher. Ouais. Moi, il y en a un hier, il m'a fait un speech avec son ticket. 10 minutes, le mec, pour au final me dire, en fait, il me manque juste une maillot. Ouais, mais bon, en même, je veux pas dire, mais en même temps, au McDo, vous devenez radin sur les maillots. Il m'a fait avoir un erreur 404 dans mon cerveau, j'ai rien compris à tout ce qu'il m'a dit, pour au final juste me dire, en fait, il manque juste une maillot. J'ai cru que Avant, les j'avais sauces, câblé. on défilait par poignée. Maintenant, pour avoir 3 sachets de maillots. Non, c'est un bal la maillot, je crois, presque. Ah ouais, non, c'est impressionnant comme ça a changé. Ouais. Ah putain. Non mais il m'a bouffé les neurones. Coucou mon sucre au caramel. Je sais pas c'est qui, hein, mais je vais rentrer dans son jeu, écoute, c'est drôle. Ah bah On écoute, escuque au sucre. why Oh, ou la femme avec son palmier qui vient au drive aussi. Putain, qu'est-ce que j'ai. Qu'on a eu un fou rire. Tu sais, les espèces de couettes, dit Fab, que tu fais dans les enfants. C'est sur oui. leur tête, ça fait un petit palmier, ou chez les petits Ouais. chiens, comme ça. Je vois. Une femme de 60 ans au drive qui arrive avec un palmier comme ça sur la tête. Oh, bah c'est un style. Oh, le fou rire. Avec ses deux chiens à côté d'elle, et puis son mari et ses gosses derrière. Oh putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, elle m'a fait la soirée, la dame, hein, tellement on a eu un fou rire. D'où tu te fais ça en tant qu'adulte? Mais d'où? Aïe aïe Disons aïe. qu'après, Oh oui, putain. il y a des gens qui ont des visions. Oh là. Genre. Alors lui, je sais pas avec quoi il tire parce que putain, Bah, il m'a touché. ah, laisse tomber. Bon, Bon je crois bah. que c'est un petit pétard à la con, hein. Bonne chance, dit Fab. Oh là. Ah bah perso, moi j'ai envie de dire, moi ça vient sur mon live, ça me fait ce genre de truc, c'est ban dev direct. Hein. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, ça doit être ça. J'ai envie de Caméra, dit Fab, la dormir. caméra. J'ai La envie. caméra, dit Fab, Non, caméra. je veux qu'il sache où je suis. Comme ça, c'est réglé. Alors, c'est pas lui qui nous a couché, hein. C'en est un autre. J'ai attrapé un coup de fatigue. Vous êtes où? Dans le village? Morte. Donc, il y a Frofro. Ouais, où il y a la baraque principale, hein, principale. On s'est fait défoncer la tronche. Avec un guignol qui avait juste un petit pétard. Ah, j'ai trouvé la version de Supermarket Simulator, mais sur le téléphone. Je vais tester. Sur le téléphone? Ouais.
Attends, ça s'appelle Supermarket. Mobile. Il a de la chance qu'elle dit rien parce que putain, ça serait l'IO. Elle l'aurait chiqué la gueule. Ouais, bah c'est pas aujourd'hui que je vais attraper un coup de soleil hein, parce que. Il fait que pleuvoir. Ah, c'est lui qui nous a buté avec son costume noir. Ouais, explose-le. Bon, il a pris 32 dégâts, mais c'est déjà ça. Ah, moi, par contre, c'est ma grenade. Mais Non mais il avait une précision de tir de malade. Moi j'étais sur le toit, j'avais de la hauteur sur lui et il a quand même réussi à me laser ma gueule. Donc bon, ouais fais le malin mais à mon avis le Cronus ça paye bien. À mon avis ouais. Ou au moins une assistance de tir. Hein. Une aide à la visée comme sur les Call of. 130, 115, 119. Ça va, beau gosse. En même temps, on croise des bonnes teams. Ouais, là, c'est, on est dans le dur, là. Bah, hier soir... Quand tu vois les niveaux, ils ont des bons niveaux, quoi. Hier soir, en duo, je me suis fait poutrer assez vite d'emblée, en début de partie. Le mec, il nous a niqué avec un pistolet gris, alors que nous, on avait des armes bleues, voire violettes, dans les mains. On s'est fait coucher quasiment d'emblée. De toute façon, après, oui, la couleur de l'arme, c'est pas le plus important si t'as la précision. Parce qu'avec n'importe quelle arme, si tu chopes la tête, ça va très vite. Hein. Mais le problème, c'est que les mecs qui chopent tout le temps la tête, c'est soit il y a quelques vraiment très doués qui ont un shoot de malade, ça arrive. Et puis après, il y a tous les petits escrocs qui... Cronus. Qui ont Cronus ou des trucs comme ça. Et puis c'est le problème des jeux comme ça, tu sais, en multiplateforme, quand il y a PC et console, les PC ils ont tellement des moyens de magouiller par rapport aux consoles que c'est rarement équitable. Puis t'as des gens PC honnêtes comme moi qui font rien, mais qui se font quand même dégommer la tronche à cause de ça. Il y a des joueurs PC qui sont honnêtes. Mais je veux dire, si tu veux essayer. Oui, t'as plus de moyens. T'as plus de moyens sur PC. Mais c'est fou, tout ce que tu peux trouver pour t'aider dans les jeux. Déjà, ne serait-ce que moi, je regardais une streameuse la dernière fois, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Il y a une espèce de mode. Un mode compétition ou un mode je sais pas quoi, où en fait, les graphismes, c'est pas les mêmes. Mmh. Ils ont des graphismes simplifiés, ils sont jamais éblouis par le soleil. Les feuilles d'arbres, ça les gêne pas. Enfin, tu sais, des trucs. Qui au final t'arrange vraiment quoi. À la prochaine, merci d'être passé. Donc c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Aïe aïe aïe, c'est la vie. Bon, bah, au début, je comprenais pas pourquoi le mec il me voyait dans le buisson, ça je bougeais pas. Je vois qu'il y a du monde qui est pas loin. Mais attends, elle est passée où Aphrodite? Ça fait deux games que je la vois pas, regarde, elle est pas là. Je sais que c'est quand c'est hier ou avant-hier, j'ai fait une game. J'avais atterri au niveau de la gare là où il y a le flambi, là, gueule de con. Le machin, il avait pas encore apparu alors qu'on avait déjà tous atterri au niveau de la gare. Il a pop que seulement après. Très bizarre ce qui se passe. Ils nous ont enlevé à Frofro. Bah ouais, c'est étrange.
Bon, les trois bottes, c'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. Je crois qu'il y a Draco, il se fait des copains. Oui, une team complète. C'est très bien. Je sais que l'autre il est parti par là-bas, là, que j'ai pas le temps de tuer. J'en ai buté un aussi dans la baraque. Oh, le petit bruit violet, c'est bien ça. Ah bah le voilà. Ah bah tu reviens à la charge, connard. Bah tiens. Ce qu'il a pris avec mon eau, lui. Tiens, il y a Frofro qui vient d'apparaître. Ah oui. Oh punaise. Elle se faisait belle, elle était à la bourre. Bah si elle veut, je veux bien la bourre. Hein. C'est ça en fait, elle voulait être toute mimi pour que pour quand vous arrivez. Elle se faisait désirer. Merde, j'ai bouffé la banane. Oh bah ça c'est parce que t'avais faim, dit Fab. Non, c'est pour ça que t'as mangé la banane. Et ce qu'il y a de chance, c'est que j'en avais qu'une quoi. Ah bah c'est. Bah c'était l'heure du goûter. Hein. Il y a le bunker qui s'ouvre. Ok. Au moulin. Maîtrise du feu. Moi j'ai déjà le pouvoir du feu. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu pleures? Il est loin, le contrat? Voilà, je le vois pas vers nous. Pareil. Ah, il serait au niveau du lac. Ah oui. Oh, c'est bon ça, j'ai trouvé le... C'est le nouveau pompe là, le gardien, avec 5 coups. Ouais, c'est rare mais ça arrive. Violet 5 coups, c'est intéressant, c'est bien. Mon poteau bleu, je prends. Moi qui avais pas de pompe en plus.
t'ai mis des balles de pompe si tu veux. Oh, j'ai. Oh, bah là, je suis encore mieux. J'étais déjà à 60, mais là. Ah, bah j'ai dit, hein, je suis la trousse à pharmacie, l'armurerie. Hein. Ah, quelqu'un et une cible, je crois. J'ai. Pas, c'est marqué protégé. Ouais, donc c'est J-Fab. C'est J-Fab qui est une cible. Je suis la cible. Bah t'as raison, fais la peau. La poupoule. La vous poupoule. Avez fait la mission, je sais pas quoi, avec les grenades. Ah, on choque violette, ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait. Parce que je sais que celle-là, elle marche très bien pour soi-même aussi. Ah, moi, je l'ai fait sur des bots en début de game. Bah, en gros, tu dois lancer une grenade et les faire éjecter avec les grenades. Tu dois en fait, ouais, c'est ça, tu dois toucher des personnes avec les grenades à onde de choc. Mais ça marche sur toi aussi. Parce que j'étais à 3 sur 4 et hier je l'ai fait sur moi-même et ça a marché. Ça m'a validé la quête. Quelle souplesse, Aphrodite! Elle donne tout là. Ouais. Elle est à fond. Bon, il nous par contre un peu parce que. Pour se faire les cons. Hein. Enfin, pas trop tôt. Je crois que j'allais m'endormir. Ah, il y a une poule énervée là, il y a une poule énervée. Rip, paix à son âme. Il y en avait une deuxième. C'est fou comme elle te calcule pas les poules et dès qu'il y a la tempête, elle te saute dessus. Ouais. Oh, sauter dessus. Hey. Ça va aller, Draco, ça va aller. Écoute, se faire sauter dessus par une poule, ça peut être intéressant. Oh. Bon, écoute, hein. Pourquoi pas? Bah, si c'est Amélie la poule, moi je dis pas non. Hein. Pas de sniper, je suis déçu. J'ai pas de viseur, donc on va en mettre un. Aphrodite, voulez-vous me heal, s'il vous plaît, copine? Aphrodite, fais quelque chose. Et par contre, je vois qu'il y a un médaillé qui s'approche. Ouais, je vois ça. Ouais, t'es fait. Par contre, là, en termes de vue, là, ah bah ça va, elle était full. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai balancé deux splash parce que Aphrodite, là. Eh, hey, j'ai qu'un kit, je voulais pas utiliser le seul kit que j'avais, quoi. Bon, sinon, la zone, ça serait bien que t'arrêtes de bouger aussi. Les poules sont déchaînées. Oh. Je suis pas bien. 17 points de vie. Je suis hors de la zone, hors de la tempête. Ah oui, je te vois. Moi j'ai tué des poules pour pouvoir manger la viande. Bah moi je me suis servi des grenades à onde de choc pour sortir de la tempête. Non, en plus on est juste sur un médaillon quoi.
Attends, bouge pas, ouais. Ah bah je bouge plus, moi. Je fais la statue. Et la panda qui joue avec les poules et qui traîne là. Voilà, je suis là. Il y a encore une poule. Elle est plus là. Bon, faudrait peut-être qu'on avance. Oh, ça. On fait quoi? On va sur... Ah, il y a des mecs. Ça monte. Fait chier. Bon, on va pas sur l'île. Ça risque d'être compliqué, effectivement. Faut qu'on dégage d'ici. Droit devant nous, sur les rails, il y a une faille. Oh, y'a une ceinture de partout. Je vais par là. Ouais, pareil. C'est la Réunion. C'était la Réunion, là. Je tirais de partout. Ça tire, ouais, non? Ouais, ça me fait tirer. Pas très bien, mais... Allez, ça dégage. Mon écran, il pétille dans tous les sens, là. Ça tire de tous les côtés. Ça, c'est mort. Ça aussi, c'est mort. On va rejoindre Tifab. Hein. J'en ai eu deux. On arrive, okay. On s'est fait une team aussi. C'est bon. À la prochaine, bye. Oh bah oui, effectivement, c'est la déco de Noël. Par contre, le dernier que j'ai buté, il est pas mort tout de suite et j'ai pas trouvé ses potes. Ouais. On peut peut-être aller voir au bunker ce qu'ils ont laissé, non? Ouais. Il y a un médaillon, je vous prie un peu. Ah bah ça tire. Il sautille là, ça me scope. Oula, ils sont chauds. Putain. J'ai quand même mis 5 balles de pompe violet, il est pas tombé. Hein. Frofro, te barre pas. Par contre, je les comprends pas là. Pourquoi ils tirent pas? Aucune idée. C'est ça qui me chiffonne en fait. Parce que alors, c'est complètement illogique. Ils ont la hauteur, ils sont bien. Oh mais.
Ah, dommage. T'étais pas loin. Connard. Le chien est pas à côté. Non. Oh. Bon, je vais arrêter là-dessus, moi. Ouais. Je vais prendre une douche, ça va peut-être me réveiller, tiens. Ou pas. Ouais, moi, je vais prendre une douche. Ah, c'est ça, je me disais, dis Fab, il y a une odeur bizarre. C'est parce que t'as travaillé ce matin, voilà, c'est pour ça. Ah, oui, histoire du boulot, là. Ah, bon, ben, du coup, je vous dis à dimanche. Difab, je serai sûrement sur le jeu hors stream demain après-midi, entre 13h, 13h30, vers ces eaux-là. D'accord, ça marche. Et puis le reste, je vous dis à dimanche. C'est gentil, tu vois, tu sors du boulot, tu viens jouer direct avec nous. Ça, c'est sympa. T'as vu ça un peu?